Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin, à côté, hein. Comme tout le monde, je suis en période de confinement. Mais en ce moment, la communauté Bushcraft a plein d'idées pour justement se changer les idées. Et mon pote Guigui, de la chaîne Guillaume Alzaco Bushcraft, m'a lancé un défi qui consiste en fait à faire du feu avec un morceau de bois et un fire steel. Par contre, interdiction d'utiliser du bouleau ou du bois gras. Il se trouve que j'ai un petit jardin, vu que la nature est très très proche de chez moi, j'ai un tout petit terrain. Et le bois que j'ai à disposition, c'est des bouts de planches, etc., etc. pour faire le barbecue. Bref, je n'ai pas vraiment ce qu'il me faut. Donc je vais profiter de mon heure de sortie autorisée pour aller faire un tour autour de chez moi, essayer de trouver un petit peu de bois, profiter un peu de la nature, et puis surtout après me faire un bon café grâce à ton défi, Guillaume. Merci encore. Allez, on est parti. Non, ça c'est du boulot. Une coupe de pain sylvestre, on est toujours pas bon. Bon, je ne transgresse clairement pas le confinement. C'est là chez moi. Oh là là, t'es beau toi. Oh. Dis-donc, qu'est-ce que tu es beau. C'est sûr que quand on est à la campagne, on a toujours l'occasion de faire des super rencontres et puis d'avoir des bébêtes pour nous faire des câlins. Oh là là! Ça gratouille! Ouais, c'est pas tout ça là. Hein. Vous avez pas vu un bout de bois, vous? Attention, hein, pas de bouleau et pas de bois gras. Les deux essences de bois interdites, l'une à côté de l'autre. Là, sérieux, je suis pas aidé, hein. Bon allez, j'ai fini par trouver un bout de hêtre, ça va le faire. Alors, pour ce qui est du matériel, c'est extrêmement limité. Donc le bout de hêtre que j'ai à gauche, une hachette, un bout de bois qui va me servir de massette, mon couteau, ma petite bouilloire, une tasse avec du café lyophilisé, et puis un fire steel pour essayer d'allumer tout ça.
Bon, le bois a l'air bien sec en tout cas. Bon, voilà où j'en suis, juste avec la hache, enfin la hachette. Donc j'ai utilisé que la moitié du morceau de bois, ça en fait déjà pas mal pour un café, je pense que ce sera largement suffisant. Et honnêtement, vu le bruit que ça fait, je pense que mes voisins sont bien au courant que je suis en train de couper du bois. Donc maintenant, je vais avoir besoin de faire du bois plus fin que ça, hein. Et puis ben forcément je vais passer au bâtonnage avec le couteau. Bon, je me suis fait mes trois tailles de bois, donc du fin, moyen et un peu plus gros. Par contre, clairement, c'est pas avec ça que je vais arriver à allumer mon feu. Donc, on va passer à la taille sous les fins, c'est-à-dire les hérissons. Bon, maintenant, il va falloir que je fasse vraiment encore plus fin. Je vais juste gratter les petits bouts de bois pour essayer de faire une espèce de poussière et que ça puisse prendre au fire steel. On verra ce que ça donne. Mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, il ne devrait pas y en avoir pour longtemps. Bon, et ben voilà. Un bon petit café, bien chaud. On va pouvoir démarrer cette journée de confinement sur le bon pied.
Merci Guillaume en tout cas pour ce petit défi, c'est sympa, hein, ça permet toujours d'allumer un petit feu dans le jardin. Comme il est de tradition, je vais passer le relais à d'autres personnes s'ils souhaitent faire ce défi. Donc j'ai pensé à mon pote Nico de la chaîne Nico Chartreuse. Je sais que c'est pas toujours facile pour toi de pouvoir faire ce genre de choses, mais je suis sûr que tu trouveras une solution. Je vais également nommer Fifi, mon pote Fifi de la chaîne Bilan Bushcraft Nature. Je vais aussi demander à Tariq de The Woods Runner s'il a envie de se faire un petit café. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée, un bon confinement, et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao!